Avez-vous peur du noir? C'est une peur très commune. Elle remonte à la lointaine époque où nos ancêtres se regroupaient pour affronter les dangers rencontrés dans la nuit noire. Que se passerait-il si vous ne pouviez plus voir le soleil pendant une année entière? Comment est-ce que vous y feriez face? C'est ce que nous allons découvrir en mettant ton corps à l'épreuve d'une année entière dans le noir. It's time for darkness. Pour information, il n'est pas question ici d'être aveugle, même si on en parlera un peu quand même. Il est question d'un manque de soleil ou de n'importe quel autre type de lumière. Qu'est-ce que ça ferait de vivre sans lumière? Comment réagirait votre corps? Seriez-vous capable de vous y adapter? Vous êtes habitué à ce que votre vue soit votre principal sens. Perdre la vue soudainement demande quelques ajustements. Sans lumière, il vous semblera difficile de vous repérer. Mais vos autres sens vont compenser votre vue. Votre ouïe deviendra plus fine, votre odorat sera plus puissant, et vous arriverez presque à voir en touchant votre environnement avec vos mains. Selon certaines études, plus vous êtes jeune, plus vous vous adapterez rapidement. Les personnes qui perdent la vue à un âge précoce s'habituent plus facilement à traiter des informations non visuelles que les personnes qui perdent la vue à un âge plus avancé. Afin de complexifier ce défi, vous n'aurez aucun accès à une horloge ou à d'autres types d'appareils qui affichent l'heure. Si vous ne voyez pas le soleil se lever ou se coucher, vos cycles de sommeil seront très perturbés. Votre horloge interne aura du mal à se réinitialiser d'elle-même chaque jour. Vous commencerez par vous réveiller de plus en plus tard. Vous pourriez vous retrouver éveillé pendant 36 heures et endormi pendant 12 heures. Vous perdez la notion des jours qui passent. Votre sommeil sera affecté par un déséquilibre de mélatonine dans votre cerveau. La mélatonine régule votre sommeil. Lorsque la nuit tombe, votre corps produit plus de mélatonine et indique à votre corps qu'il doit se préparer à dormir. La lumière ralentit la production et signale à votre corps qu'il est l'heure de se réveiller. Perdre la notion du temps n'est pas le seul problème que vous rencontrerez dans le noir. Les rayons ultraviolets du soleil produisent de la vitamine D à l'intérieur de votre corps. Si vous n'êtes pas exposé à ces rayons, vous aurez des carences en vitamine D. C'est la vitamine qui régule plus de 1000 gènes et qui contrôle la plupart des tissus de votre corps. Une carence en vitamine D peut vous rendre rachitique, affaiblir vos os et ainsi causer des déformations osseuses et des problèmes dentaires, provoquer la tuberculose et augmenter le risque de démence, ainsi que d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ne pas avoir assez de vitamine D signifie aussi avoir un système immunitaire affaibli. Plus le temps passera, plus votre humeur s'assombrira et votre niveau d'énergie baissera. Ces symptômes sont similaires à ceux de la dépression saisonnière. À cause du manque de soleil, votre cerveau enregistrera un faible taux de sérotonine. Cette hormone détermine et régule votre humeur. Vous ressentirez une baisse d'énergie, une perte d'intérêt pour toute activité et vous vous sentirez désespéré. Après avoir passé un an sans voir la lumière du jour, votre peau sera plus pâle. Le soleil détruit la mélanine de votre peau. En réponse à cela, nos cellules produisent encore plus de mélanine et rendent notre peau plus sombre. Sans soleil, ce processus ne fonctionnera plus, ce qui rendra votre peau plus claire au fur et à mesure. Nako. Vos yeux deviendront hypersensibles à la lumière. Après 12 mois sans avoir été stimulés visuellement, vous aurez du mal à faire la mise au point. Vous serez obligé de vous exposer à la lumière petit à petit pour éviter d'avoir mal. Après avoir passé un an dans le noir, vous aurez besoin de temps avant de revenir à la normale et de vous sentir heureux à nouveau. Il est plutôt amusant que les pays ayant déclaré avoir les habitants les plus heureux se trouvent très au nord, comme le Danemark ou l'Islande, où d'ailleurs les jours d'hiver sont courts et où les nuits peuvent durer jusqu'à 19 heures. Dans ces pays, on constate également beaucoup moins de cas de dépression saisonnière. Mais à faible dose, les habitants de ces pays restent exposés au soleil. Une personne complètement aveugle ressentira malgré tout les mêmes effets bénéfiques de la lumière du soleil grâce à la production de la vitamine D et de la mélatonine. Maintenant que vous avez passé une année entière dans le noir, faisons entrer le plus de lumière possible dans vos yeux. Nous allons découvrir ce qui se passerait si vous ne clignez pas des yeux pendant un mois. Rendez-vous dans un prochain épisode
de ton corps à l'épreuve.